Salut, station fréquence, les mesures 1351 vous touchent de la part de Dundee 33 pour le QSO national du canal 27 avec le forum des ondes du routier et la planète Sibi francophone. Les bandes sont 1351, Eric. Rémi, mais alors ça va être dur ce soir hein, parce que tu passes à peine, hein, comme un pèse de mouche. Bon, ok, voilà. J'ai rajouté le paquet de mouches là avec, ça doit marcher un peu mieux là. Effectivement, j'avais oublié d'enclencher quelque chose. Oui, le vrai, mais alors c'est complètement décalé. Qui c'est, moi? Non, il y a un break là, mais alors c'est la station. Il me semble que j'ai reconnu Florian, mais si c'est toi, Florian, recale-toi. J'entends chuchoter derrière pour dire que c'est vraiment très 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 QRP, mais c'est tout, hein, je sors absolument rien du tout. Hein. Ok, mais Florian, je comprends rien du tout ce que tu dis. J'ai absolument rien du tout là de mon côté là, je suis au QR1, hein. Je suis pas dans le push là comme le coup précédent. Hein. Ouais, c'est Florian qui est avec nous là, mais il est pas du tout calé. Quand il parle, ça fait comme ça. Ok, les 73 Florian, si t'arrives à m'entendre. Là, ce soir, ben, vu la météo et tout ça, là, je suis au QRA, là, j'ai joué le feignant. Je me suis dit, là, de mon côté, c'est plutôt avis de tempête, il pleut, tout ce qui s'ensuit. Je voulais pas courir le risque d'aller là-bas, dans la bouillasse, là, sur la colline, là, pour mieux passer, quoi. Je comprends ça, hein, voilà, mais écoute, j'espère que tu vas bien, ça faisait un petit moment que je t'ai pas copié. Aïe. Ah oui, je suis désolé, c'est vrai que là en ce moment là c'est entre le pro tout ça, c'est pas évident quoi. Plus j'avais quelques trucs à faire aussi à l'extérieur, ça c'est vrai que j'ai pas il y a eu de la propague là, ces derniers temps, non, pas trop là. Oui, j'ai pratiquement bon, cette semaine un peu moins parce qu'il est parti en déplacement sur Toronto là, pour le pro, mais la semaine dernière oui, pratiquement tous les jours je l'avais, hein, voilà. Chacun a ses occupations, il n'y a pas de soucis, voilà. Allez, je vais retourner le micro à Florian, j'espère qu'il a réussi à se caler. Vas-y, attends Florian. Vas-y, je te retourne le micro, le temps qu'il cherche le problème.
Ok, enregistrer le break. Ouais, alors, comme sur les précédents QSO, cette première demi-heure est filmée de façon à motiver d'autres stations via Internet, justement, à lancer également le QSO de leur côté. Les 73-51, Jean-Paul, retour de micro. Ah, ok, bonjour. Juste un petit coup en passant. Hein. Juste un petit bonjour. Bonjour à toi. Bonjour. Bonsoir à tout le monde. Les amitiés au cœur. J'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a. J'arrive juste. Hein. J'arrive juste. J'ai entendu qu'il y avait Florian, mais je ne l'entends pas du tout. Donc, voilà. Donc, je te retourne le micro. Et puis, avec la bonne poignée de main. Merci, bonne poignée de main sur 1351, 212 au QRA, tout ça retourné. Eh bien, il y a Eric avec moi, il y a Florian que je ne sors pas du tout. Et puis, vu les conditions météo, je suis resté au chaud, à l'abri. Car là, ça s'est pas mal dégradé. Hein. Et tiens, pour une petite anecdote, là, en début de soirée, je suis allé récupérer la moto qui était en révision là sur Libourne. Bon, je suis passé par cet émission, les petites routes, Pomerol, tous ces coins-là, enfin, dans le sens inverse, et ça a été sportif hein, sur la route, hein. Oh la vache, avec les rafales de vent, de pluie, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de virages que d'habitude. Ah oui, c'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait eu davantage de virages, ou c'est la voiture qui tournait un peu plus vite, ou qui se baladait peut-être un peu plus, hein. Bonjour Eric, ça s'en présente, à la poignée de main. Je te retourne le micro, Eric, ça s'en présente. C'est la moto qui se baladait. Oh, il y a quelqu'un d'autre derrière. J'ai l'impression qu'il s'est mis sur directive, là, Eric. Ah, mais je peux, hein. Je peux me mettre sur directive, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème, je peux me mettre sur directive, moi aussi, hein. Ah, donc, s'il est tourné dans ce sens-là, eh bien, je vais l'attendre, hein. Je devrais l'attendre, voilà. Attends, non, c'était peut-être pas lui. Directive, non, j'en sais rien. Mais toujours est-il que tout à l'heure, je l'ai entendu très très fort, et puis à ce coup, je n'entends plus. Alors donc, je ne sais pas, donc c'est pas bien grave. Voilà, retour, Eric. Ouais, je me suis peut-être trompé, je sais pas. Eric ? Oui, c'est là, oui. Ok, tu as Jean-Paul là, qui te retourne le micro. C'est moi qui étais sur directive, je m'excuse. Il doit être en directif, il n'est pas en vertical, hein, parce que là, je l'entends. J'entends à peine quelqu'un qui parle, mais c'est indéchiffrable. Ouais, mais là, tu dois m'entendre. Moi, j'étais en directive. J'étais en directive jusqu'à présent, je suis tous les jours, du matin au soir, je suis en directive. Donc, pour ça, j'étais tourné vers toi, mais si toi, tu étais en vertical, c'est normal. C'est normal. Bonjour, 73 et les amitiés. Ok, reste le temps, il n'y a pas de souci, les amitiés, il n'y a pas de problème, voilà, oui, moi je suis en vertical, voilà, oui, parce que, c'est pour ça, pour que je t'entende pas comme ça, c'est que tu devais être à l'horizontale, il n'y a pas de souci, mais là ça va, il n'y a pas de souci. Je vais retourner le micro, il y a Florian qui est revenu, là, apparemment le problème est résolu, là je l'entends bien, je vais retourner le micro, attends là, Florian. Ben on va appuyer sur le RIT, hein. Alors, pas du tout. Par contre, tout à l'heure, quand t'as sifflé, quand t'as parlé, là, c'était nickel. Mais là, ça n'y est pas du tout, là. Allô, Florian, qu'est-ce que tu fabriques? Ah, je sais pas ce qu'il a fait, là. Il était revenu, ça marchait nickel, là. Et puis, il est pas du tout calé du tout, là. Négatif. Quand tu as parlé le premier coup, là, quand tu es revenu, là, t'as sifflé, là, c'était impeccable, la radio, un peu nickel.
Je dirais que ça s'arrange pas, mais c'est pas encore ça. Hein. Ah ben là, si tu es là, à mon avis, si t'es calé, je comprends plus rien. Nickel, quand t'as sifflé, tu m'as parlé, que je t'ai dit, ah, là c'est impeccable, c'était impeccable, et là ça a rebougé, c'est pas bon. Et là tu viens de me parler, c'est nickel, là. Qu'est-ce que ça touchait? Eh bien, reste penché parce que là c'est impeccable, voilà. Il y a Jean-Paul derrière et puis Rémi, voilà, je te retourne le micro pour que tu puisses saluer. Ok. Bonjour Florent, les bonnes amitiés, bisous à madame. Que tu vas bien, qu'est-ce que tu fabriques ce soir avec ton poste, hein? Arrête de toucher les boutons, tu toucheras les boutons quand il y aura madame à côté de toi, c'est tout, mais là tu n'arriveras pas à toucher les boutons, tant que tu passes bien, profite-en. Retour Florent. Jean-Paul, c'est pas Florent, c'est Florian, Florian, c'est pas Florent, c'est pas celui qui est chez toi. Hein. Florian, mais c'est celui qui habite à côté de chez moi, pas loin. Non, lui, il est du côté, il est au sud, je crois, de chez Eric. Pardon, je croyais que c'était Florian, celui qui était à côté de chez moi, là, et à côté de chez Dandy. Voilà, mais bonjour Florian, alors, les bonnes amitiés de Jean-Paul, Saint-Emilion, je ne t'avais pas encore... pas encore entendu, voilà, c'est pour ça que l'erreur était humaine. Ok, tu l'as reçu, Florian? Ok, vite à saluer, voilà, c'est Jean-Paul de Saint-Emilion, voilà. Allez, je retourne le micro à toi, Rémi. Ok Florian, j'espère que tu m'entends mieux là ce coup-ci. Les bonnes sont 1351 à toi Florian. Bon, j'ai lu un petit message là sur le groupe et sur le forum là justement pour dire un petit peu là où nous en sommes. C'est-à-dire qu'il y avait 4 stations pour le moment. Ok Florian, si tu m'entends pas mieux, je suis désolé, c'est vu la météo dehors, je préfère rester à l'abri, hachis 3 coups. Mais c'est promis, un de ces 4, je monterai avec la remorque, l'antenne pour expédition, monter dans la remorque, sur la colline, et là ça devrait arroser quoi. Non, rien du tout. Hein. J'ai poussé le volume aux 2/3, voire même les 3/4. J'ai cherché un petit peu là en clarifiant. Je l'ai à peine. C'est vraiment de la devinette dans le fin fond, mais j'entends comme une présence. Voilà, c'est plutôt ça le terme exact. Mais de là à savoir à quel moment il a pris ou relâché le micro, j'en suis même pas sûr. Avec la signal de 1 et la radio de 2. Voilà, je fais le truc ST. Voilà. Bon, mais écoute, je te retourne le micro et voilà s'il y a d'autres stations derrière qui veulent rentrer. Ok, David. Je sais que tu es en fréquence derrière, je sais pas sur quel département tu es. Voyons si on peut t'attraper. David, pour le QVSO Nassin du canal 27, là sur le sud-ouest. Vas-y en avant si tu nous entends. Ah Eric, j'ai rien de mon côté. Hein. Ouais, j'ai David qui s'est signalé justement là sur Facebook en message perso. Il est normalement derrière, mais je connais pas son département. Hein. Ok, mais
écoute, je vais essayer, David, et si tu es derrière, 73-51-14-27, l'opérateur Eric, le QTH Cheville-Alzornon, au sud de Bordeaux, voilà, en compagnie de Lundi 33, de Florian et de Jean-Paul, voilà, donc si tu es par là, retour à toi, David. Bon, j'ai trouvé son QTH. Vu la météo, ça va pas être dur dur, ça va être dur dur ce soir. Ouais, ouais, ça crochote un petit peu de mon côté, là, par moment. Ok, non, il faudrait être... Ok, là, je suis allé sur son profil Facebook, et il est sur Dunkerque. Donc, il faudrait être au bord de l'eau, là, pour arriver à l'attraper, quoi. Directive, comme je suis présent, ça devrait être bon, je vais essayer, voilà. Ok, ça marche, vas-y pour voir. Alors c'est David, hein. Voilà, j'ai que le prénom David. Alors attends, 14, Oscar Alpha, opérateur David. Voilà, ça y est, alors 14, Oscar Alpha, opérateur David. Ok, on va essayer. J'ai réussi à entendre. Oui, que là, mais ça s'est fait un peu brouillassé, un peu. Tu l'as reçu un peu? Non, je t'entendais à toi, mais j'entendais pas à Dunkerque. Pourtant, c'est la bonne direction, mais bon. Ouais, mais là, c'est négatif pour moi. Puis, je me suis dit, vu la météo de ce soir, ça m'étonnerait. Écoutez, tout à l'heure, j'ai bien fait Jean de la Martinique, hein, donc ça veut rien dire, tu sais, des fois, quand ça veut rire, même il y a un petit trou, des fois ça passe, mais là, c'est pas le cas ce soir, hein. Ouais, c'est vrai. Là, mais bon, des fois plus loin, ça passe bien que sur la France, des fois, encore plus loin, oui, mais c'est vrai que là, c'est pas le top. Allez, Rémi, à toi. Ok, voilà, attends, je suis en train de retourner sur le groupe, là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah oui, voilà, justement, c'est ça que je cherche. Alors, justement, à propos de contact, il y en a un, il a fait, attends, que je retrouve ça, les îles Comores, voilà, là, aujourd'hui, là, la division 185, les îles Comores. Et c'est Arnaud sur le groupe là, et sur le forum, putain je bafouille ce soir, là, qui a réussi à l'avoir. Ouais, affirmatif. Les Comores, je les ai fait la semaine dernière, voilà. Ouais, ça passe très très bien, ouais. Et je crois que, je sais pas si son prénom, c'est pas Tchèque. Alors là, il n'a pas marqué, je te lis le message tel qu'il est, contactez la division 185 Île Comores ce matin. Voilà le message tel qu'il est. Ouais, attends, je suis en train de le regarder, parce que je me le suis noté par là, moi aussi, je vais retrouver ça. Mais sur les Comores, oui, il me semble bien que c'est Tchèque, là, son premier opérateur. Ok, d'accord. Alors, est-ce que... En tout cas, l'indicatif de l'OM de Arnaud, c'est 14 ODR 537. Voilà, depuis le département 55. 14 ODR 537, c'est ça? Oui, 5 de 5e, 3 de 3e, 7 de 7e. Voilà, c'est... Et depuis le département 55.
ok, affirmatif. Mais ouais, mais non, mais là, je n'entends pas. Voilà. Allez, je vais retourner le micro sur Florian, s'il est derrière. Hein. Oui, ton ampli, il est en train de se saturer, alors tu l'attaques pas trop fort. Les attaques sont différentes, c'est encore plus faible en même. Ah oui. Ah bon, et depuis quand? Parce que ça, moi ça marche pas comme ça. Hein. La puissance de l'USB, la puissance de l'AMFM, l'AM et l'AFM sont peut-être groupés, il y a encore certains postes séparés, mais la puissance de l'USB et la puissance de l'AM, ça n'a rien à voir, c'est séparé. Oui, complètement. Raconter cette grosse connerie, Pasteur. Là, il ne faut pas que tu racontes ça aux anciens de la CB parce que là, ils vont rigoler. Non, ça n'a rien à voir. Non. Moi, j'ai pas cette CB que je prenne Jackson ou que je prenne le Georges ou que je prenne, je sais pas moi, un Lincoln ou un truc comme ça. La puissance à MFM n'a rien à voir avec la puissance BLU. C'est deux verres séparés, ça n'a rien à voir. Chaque fois. D'ailleurs, tiens, sur les 3009 par exemple, je dirais pas de nouvelle génération, mais qui est de deuxième génération, le bouton de débridage du poste se fait avec le clarifieur en tirant dessus. Et justement, là, on voit bien qu'il y a une différence très nette entre la puissance AM et la puissance BLU, ne serait-ce qu'au niveau du réglage. C'est que quand tu restes en position bridée, bon, t'es en 40 canaux, ça d'accord, mais au niveau puissance, tu redescends automatiquement en 4 watts.
dès que tu sors le bouton de calibrage du tossimètre incorporé, tu passes en version débridée évidemment pour les canaux, mais au niveau puissance, tu multiplies, tu en as beaucoup plus. Et côté puissance BLU, ça ne change absolument rien du tout. Voilà, et c'est là où c'est très flagrant justement, et autrement, oui, t'as raison, que ce soit président, superstar ou... Maintenant, je ne mettrai pas ma main à couper, mais tous les postes que je connais en ce qui me concerne, dont j'ai entendu parler, à chaque fois, c'est tu as la puissance BLU, AMFM séparée. Et quand c'est pas carrément les trois puissances pour les trois modes de séparer, quoi. Ce qui est le cas du 6009, justement, où pour l'AM, tu as un certain type de puissance. L'AFM, alors là, c'est carrément autre chose. Et puis, et puis entre les deux, la puissance BLU, quoi. Comment j'ai fait pour monter la mienne là? Bon, apparemment il est parti, tant pis. Bonjour à Mont-Georges, j'en ai trois. C'est trois VR séparés que j'ai sur Mont-Georges, ouais. Et le RF Power, moi sur le président Georges, il règle uniquement, il joue uniquement la puissance sur la MFM. Mais il n'y a rien à voir sur la BLU. La BLU, c'est le VR depuis tout à l'heure, là, tu joues avec la LC. Et pour le régler en puissance maxi, parce que moi, c'est les trois VMPA que j'ai sur le président Georges, les trois, tu vois. Et j'ai eu le VR pour la FM, pour régler la puissance FM, et le VR pour la M, et une autre à part pour la VLU, voilà, retour Rémi. Ouais, affirmatif. Oui, Jean-Paul. Non, mais ça. Après, tu as le potard qui est en façade, qui lui, sur la plupart des postes, joue sur la puissance dans tous les modes. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, Eric, lui, il parle du réglage interne au poste. Retour, Jean-Paul. Oui, mais j'avais bien compris. Hein. J'avais bien compris. Hein, mes postes, à part celui-là, à part le décamétrique que c'est William qui me l'a refait, mais autrement le reste, les autres, c'est moi qui les touche. Hein. Bien sûr que tu as un potard pour la BLU, un potard pour la FM et un potard pour la M, ça c'est sûr. T'as un potard pour chaque chose. Hein. Un seul, il ne fait pas tout, hein. C'est pas possible. C'est presque impossible. Voilà, s'il y en a trois en bas, c'est que trois en bas à droite, presque sur tous les postes, ils sont en bas à droite, et s'ils sont là, c'est pas pour faire joli, hein. La vidéo va s'arrêter là. Les 213 à côté à vous tous. Nous, on continue le QSO. Bye bye, à plus.